un combattant derrière lui qui a énormément d'expérience en Muay Thai. Hein, 98 combats, c'est vraiment impressionnant pour 81 victoires. C'est pas rien du tout, champion du monde et d'Europe WKN. Donc quelqu'un qui a vraiment énormément d'expérience et déjà une victoire en MMA. Donc quelqu'un qui aussi a goûté à la cage et au sol. kilos, 1m85, donc un bon bébé, un mec qui doit faire dans les 85 kilos hors saison, donc explosif, puissant. La catégorie de 77 kilos, c'est une catégorie dévastatrice. Ce sont généralement des combattants qui évoluent entre 85 et 90 kilos hors saison, donc ils peuvent avoir la puissance d'un poids lourd, et ils peuvent avoir la rapidité d'un poids léger, et généralement ils sont très très complets. Et regardez un peu ce physique, il a quand même 41 ans. Dans ce sport, qui est un sport physique tellement exigeant, je trouve qu'il est admirablement sculpté encore. Christos Nicolaou a 41 ans, dans une deuxième carrière, j'ai envie de dire. Complètement, deuxième carrière. Et alors 41 ans, oui, dans tous les cas, tous les points des combats. Il y a des combattants qui gèrent leur combat, qui prennent très peu de coups, et donc qui vieillissent très bien. Et à côté de ça, on a des combattants qui vieillissent très très vite, parce que justement ils vont à la castagne, ils vont au combat, ils en prennent autant qu'ils en donnent. Je pense que si aujourd'hui, à 41 ans, Christos est encore sous le ring, c'est que ça doit être de quelqu'un d'intelligent. Il a de la foudre dans les deux poings et du tonnerre dans les deux pieds, Christos Nicolaou, pour vous servir. Quel pédigré en tout cas, presque 100 combats. Pour affronter 80% de victoire, un combattant qui nous vient de Paris. Il est zoom zoom zen dans sa Benz, 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 Antoine Ben Simon. Alors pas très connu encore Ben Simon, mais apparemment il a un très très gros potentiel. S'entraîne à le Lobby Fight, c'est la nouvelle salle à Paris qui fait du bruit. Beaucoup de jeunes combattants qui ont vraiment faim, qui s'entraînent en ce moment, avec comme entraîneur Jean-Marie Merchet, qui entraînait avant à haute tension. Il y a aussi Michael Lebout, le vétéran de l'UFC. Ça, vous l'aimez bien. Comment ça? Vous l'aimez bien, Michael Lebout. Ah, je l'aime bien. C'est un petit jeune qui, lui aussi, a fait l'UFC. Un jeune qui a la dalle. Il revient d'une super victoire récemment, là, par KO. Et ça a l'air d'être un... Je ne le connais pas personnellement, mais en tous les cas, ça a l'air d'être un bon combattant et un bon partenaire d'entraînement, mais aussi un coach. Donc, je ne peux que le respecter et que l'aimer. Ah oui, un combat avec ses lunettes, c'est peut-être pas ce qu'il y a mieux. Antoine Ben Simon a commencé des sports de combat assez tard finalement, à 20 ans. Et il a découvert le MMA il y a 4 ans environ. Et c'est quelqu'un qui a tout de suite accroché. Ça, c'est quand même la nouvelle génération. Alors j'adore quand ce genre justement d'athlète commence très très tard. Il y a un combattant très connu qui s'appelle Frank Chamok, une légende du MMA, qui lui a commencé les sports de combat, les arts martiaux à 21 ans et est devenu champion de l'UFC, une légende au Japon. Donc j'ai beaucoup de gens qui me demandent « Oh, j'aurais aimé faire des arts martiaux, mais bon, je suis un peu vieux, j'ai 17, 18, 19 ans. » Eh bien, ce jeune homme ce soir nous montre qu'on peut commencer à n'importe quel âge et avoir un certain succès. Il a l'air d'avoir une belle envergure aussi hein, quand on le voit là-bas. 1m83. Ouais. Ah, j'aurais pas aimé de combattre des mecs justement d'1m83. J'ai eu la chance de combattre des mecs de plus ou moins de ma taille. Mais voilà, 1m85, 1m83 dans ce qui était ma division. Ce soir, Antoine Ben Simon. Combat en 3 reprises de 5 minutes dans la catégorie des poids welter. Un peu moins de masse musculaire pour Antoine. Peut-être qu'il a fait un peu moins de cutting. Il mesure 1m85, a été pesé à 77 kg et 400 grammes. Il représente le team MMA Paphos, venu de Chypre, dans le coin bleu, from Cyprus, in the blue corner, Christos Coco Nico. Tout ça est bien dit. Il n'y a pas beaucoup de combattants de qui viennent 27 ans, mesure 1m83, a été pesé à 77 kg et
600 grammes. Il dispute ce soir son deuxième combat. Il représente le team Hobby Fight de Paris dans le poids rouge. Faites du bruit pour Antoine Ben Simon. Et ce qui est génial, c'est qu'à la deuxième édition du European Beatdown, c'est-à-dire l'année dernière, il était spectateur, Antoine Ben Simon. Et il était à mille lieues d'imaginer qu'il allait se retrouver là aujourd'hui, quand même maintenant, lui qui se consacre exclusivement au MMA. Ben voilà, vous le disiez tout à l'heure, un jeune gars avec plein de talent et plein d'envie aussi. Et finalement, on peut assez vite arriver en bonne position. Maintenant, il va falloir voir comment il va gérer ce spécialiste du kick chypriote. Donc deux droitiers cette fois-ci. Les deux, il essaie de cadrer. Hop, amené au sol. Ouais. À single. C'était peut-être un petit peu basse, donc son partenaire va lui attraper, voilà, pour défendre. Pas la meilleure des défenses, mais en tous les cas, ça lui donne beaucoup plus de difficultés. Ça lui pousse ses hanches vers l'arrière, ce qui lui donne un peu moins de force pour l'amener au sol. Bon travail de coup de genou, travail de sape. Et il y arrive. Hein. Contrôle, est-ce que de ce côté, Christos va essayer de se relever? Est-ce qu'Antoine va réajuster? Sur papier, Jess, on a quand même une belle opposition de style. Sur papier, je dis bien, on ne sait pas comment ça peut évoluer, mais on a quelqu'un qui, avec sa longue expérience en pied-point, est qui redoutable avec les jambes. Ouais. On parle d'un spécialiste de MMA qui, et en ce moment, part sur une soumission. Ouais. Donc, à mon avis, il s'y connaît un petit peu. Hein. Une position de Kimura. Donc, il va essayer de retirer. Donc, en ce moment, Antoine doit tenir sa hanche ou son short. Et de son côté, Christophe va essayer de sortir la main sur le côté pour lui pousser la main vers derrière la tête pour pouvoir mettre pression. Oui, quand on part sur une soumission, monsieur l'arbitre, on ne devrait pas les relever normalement. Hein. Oui, ça c'est pas trop pas ce qui se passe là. Hein, à mon avis, c'est peut-être la première fois qu'il juge un combat de MMA, je ne sais pas. En tous les cas, c'est une erreur pour moi. La tête un peu basse pour ce côté pour Antoine, mais il va peut-être partir sur une. Single. Bonne défense de Christo, c'est du contrôle des poignets, coup de genou. Vous parliez de position de style, mais Christophe, il s'est bien préparé de son côté, hein. Il a l'air de bien s'y connaître en lutte. Et il s'y connaissait aussi en jiu-jitsu, il a tenté une soumission. Ouais, la vérité aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus avoir de succès dans ce sport en étant monodiscipline. Rappelons, c'est combattant, donc un combat. Donc ouais. Aurait pu. Mais même de nos jours, avec un seul combat, les gars viennent et ils sont superbement préparés et complets. Alors, on a un arbitre interventionniste. Ah oui, lui, il veut du pied-point, apparemment. Ce qui pourrait poser quelques problèmes, on va dire, à Antoine Ben Simon, qui, à mon avis, est quand même plus efficace s'il peut venir au corps à corps. Et d'ailleurs, il y retourne assez vite. Attention de ne pas abandonner son coup dans l'histoire. Oui, quand vous parliez de position de style, je pense justement que Christos est assez complet. De son côté, Antoine est un peu plus un grappleur, même s'il se donnait des coups aussi. Mais je pense que c'est un peu plus sa spécialité. On peut voir à chaque fois il descend de niveau pour aller chercher au sol. Et là, justement, s'il arrive à tenir les mains les unes contre les autres, il va pouvoir l'amener l'adversaire au sol. Mais son adversaire, encore une fois, défend. Vous pouvez voir, il a ses mains en dessous des aisselles pour pouvoir le remonter vers le haut, ce qui donne une difficulté à Antoine. Il ne peut pas s'attraper les mains. Et voilà, amené au sol tout de même. Oui. Il a progressé, Antoine. Maintenant, il faut sortir de cette position inconfortable pour asseoir un petit peu. Alors, tous les deux attendent. C'est qui va partir le premier. Voilà, hop. Il se relève encore une fois. Vous voyez, pour ce niveau, normalement, avec un combat, on pourrait s'attendre à ce que voilà, le gars, là, dessus, part sur une guillotine, un étranglement. Mais non, il contrôle, il défend bien. Encore une fois, cet arbitre qui n'aime a priori pas le clinch. Un peu trop droit Antoine. Hein. Allez, Christos qui va le cadrer. Qui change de garde. Ouais, il se jette un peu Antoine. Hein. Il faut faire attention à ne pas se faire surprendre par un uppercut. On peut voir qu'il est un petit peu fatigué. On peut voir le manque d'expérience. De ce côté, on peut voir la grande expérience de Christos. Oui. Qui gère un petit peu mieux le combat, qui défend. Hop, défendre la main au sol, voilà. Il est arrivé en clinch. Coup de genou,
est-ce qu'il va partir sur un nez au sol? Est-ce que le spécialisé Muay Thai va partir au sol? L'arroseur arrosé, vous voulez dire? Je sais pas, là, il a l'air de bien contrôler. Oui, le clinch ne lui déplaît pas, il a l'air de bien contrôler le clinch, le corps à corps. Par contre, l'amener au sol, voilà, on peut voir qu'il a quand même des lacunes, c'est pas sa spécialité. Et voilà, il fait un travail de sape, il contrôle. On peut voir son adversaire un peu fatigué, il marque des points. Des petits coups de genoux comme ça sur les jambes, ça paraît rien, mais au bout du deuxième round, on commence à avoir les jambes un peu plus fatiguées et ces coups, eh bien, ils ont fait aussi la différence. Voilà, fin. Fin du premier round. De cette première reprise, finalement, assez partagée. Avec un combat qui a évolué au sol, en kick, difficile. Alors on peut voir que les deux adversaires sont quand même fatigués. La différence entre Christophe et Antoine, c'est que Christophe a quand même presque 100 combats et c'est le masqué. Alors Antoine, lui, a beaucoup moins de combats, donc il le montre. Mais on peut voir là Christophe qui est assis, il a quand même un peu mal avec le souffle. Hein. Je pense que dans le combat, justement, c'est ça qui fait la différence, il arrivait à le cacher. Alors on va voir cette différence dans le deuxième round. Bon, si vous aviez un conseil à donner à Antoine, ce serait quoi? D'utiliser un petit peu plus ses points, de prendre confiance en lui, de ne pas être si face à son adversaire, d'être un tout petit peu plus en profil pour ne pas se faire avoir en contre, de travailler ses points pour pouvoir rentrer au clinch et au corps à corps. Essayer de mettre Christophe un peu plus sur l'arrière, contre la cage, avant de partir son ennemi au sol. Alors c'est facile de mon côté, hein, mais en tous les cas, c'est ce que j'essaierai de lui dire. C'est reparti, deuxième round. On cherche la distance. Christophe change de garde. Il commence à prendre confiance en lui. Maintenant qu'il a commencé à défendre plusieurs amenés au sol, il va commencer à prendre confiance, à être beaucoup plus actif avec son pied-point. De ce côté, il faut qu'Antoine réagisse. On peut voir, il bouge, voilà, il change de garde, il va à gauche, à droite. On peut voir vraiment qu'il a pris confiance sur ce deuxième round. Oui, il a un petit peu de mal, hein, Antoine, dans son approche. Et encore une fois, il est là, il est actif, il regarde son adversaire, il cherche l'erreur. Ouh, je ne sais pas si elle est arrivée cette droite, mais... Encore une fois, hein, la grosse différence d'expérience, on peut la voir là. Mais voilà, il va quand même à la bagarre. Hein. Ah, il a une grosse envie, Antoine, même si, j'ai envie de dire, il a quelques lacunes techniques pour ses amener au sol, mais on voit qu'il a quand même une idée bien précise et tellement d'envie. Et ce qui est normal, encore une fois, après un seul combat, et il montre quand même de belles choses. Mais on a l'air toujours beaucoup plus mauvais face à un gars qui a 100 combats. Un monstre d'expérience, hein, face à lui. Qui gère, regarde de nouveau cet équilibre. Et pourquoi il. Qu'est-ce qui lui arrive à l'arbitre là? Il l'a trouvé où ce gars? À mon avis, il pense que c'est du Muay Thai. C'est dangereux. Oh, le protège-dents qui est parti. Le combat continue. Attention, c'est dangereux. Il ne faudrait pas que Antoine se prenne un coup de genou là. Il faudrait qu'il réagisse. Oui, bien joué. Il faudrait qu'il se réajuste, qu'il parte en clinch pour pouvoir essayer de récupérer son protège-dents. Ça serait bien. Allez, voilà, j'ai un coup de genou. Il a anticipé le coup de genou, heureusement, Antoine. Ah oui, non, il sait qu'il n'a pas son protège-dents. À mon avis, c'est ce qui l'intéresse le plus, c'est pas de se prendre un coup de genou dans les narines. Contrôle de son côté de Christos, qui encore fait travail de sape, un peu dans les jambes, on reste actif pour ensuite partir sur un coup de genou. Voilà, beaucoup plus tonique au niveau du visage. Bonne défense de clinch. Voilà, alors là, ça serait le temps pour l'arbitre de lui dire de remettre son protège-dents. Mais bon, cet arbitre, encore une fois, je ne dirai rien, mais on s'est compris. Voilà, c'est chose faite.
Darby, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de prendre le protège-jambe et de demander à l'homme de coin de le rincer. Mais bon, a priori, vous venez d'arriver. On a tendance à donner quelques secondes à Christos pour récupérer. Ouais, il a la bagarre, Antoine. Hein. Ouais, il retourne au charbon. Là. Allez, il lui reste encore 1 minute 45. Hein, il peut encore faire la différence. Il peut encore avoir ce round. Ouais, sur la volonté, sur la jeunesse, sur l'envie. Et pour l'instant, c'est quand même bien, bien bloqué de la part de Christos Nicolaou. Mais Christos est physique aussi. Il a l'air d'être dur. Il a l'air d'être puissant. Ouais. Et il y va, Antoine. Hein. Il y a des spectateurs qui le poussent. Ah, ouais, pas mal. Et là, voilà, suffisamment. Est-ce qu'il va se relever? Attends, Antoine, il faudrait qu'il... Voilà. Ouais. Ah, et... C'est bon, regardez ça. Hop. La montée, là, ça peut être dangereux. Hein. Maintenant, il faut qu'il travaille voilà, il essaye en soumission d'avoir une bonne position. Parce que s'il part trop vite sur les coups de poing, Christos peut mettre ses pieds contre la cage et le renverser. Donc là, il essaye de bien se mettre en bonne position pour pouvoir attaquer. Bon, il reste une minute. Et il faudrait qu'il y aille quand même, qu'il prenne des risques. Voilà. Allez, Antoine, là, si tu veux vraiment gagner, il va falloir prendre des risques. Christos, de son côté, qui le bloque. Il ne montrait plus que l'arbitre les relève, hein, sinon il ne tournerait pas au moment de lui. Oh, ça travaille, voilà, là, il hein. attaque, il attaque, c'est beau, voilà. Allez, là, encore, encore. Coudes. Attention, les coups de coude, il ne faut pas qu'ils soient illégaux. Ouais, il met une grosse pression, Antoine, là. Voilà, on n'attendait pas à pareille fête, mais... Il faut qu'il soit un peu plus précis. Ouais. Voilà, attention à ses coudes, là. Oh, et fin du combat! Fin du combat! Victoire d'Antoine! Bravo à lui, bravo à lui, il a montré énormément de cœur. Oui, absolument. Il était mal parti, il avait le cardio qui ne suivait pas, il prenait des coups. Un arbitre qui n'était pas vraiment dans son sens, mais voilà, il n'a rien lâché, il a continué. Et encore une fois, un spectateur qui vient là et qui nous donne un si beau combat, qui nous montre autant de cœur. Donc comme quoi, le MMA est ouvert à tous. Je pense que c'est un des mots-clés de ce combat. Hein. C'est le cœur et l'envie. Il a vraiment activé le mode guerrier, Antoine, au meilleur moment dans ce combat. Et il a fait la différence avec des frappes au sol. Même si finalement, beaucoup de frappes sont arrivées dans la garde. Mais il y avait quand même un gros volume de coups là. Christos a monté de belles choses aussi face à son adversaire. Encore une fois, centaine de combats en Muay Thai, mais premier combat en MMA. Mais il a montré qu'en MMA, il n'était pas un manchot. Superbe combat des deux combattants. Le seul point négatif serait peut-être cet arbitre. Combattant au centre du ring, s'il vous plaît. Et déclaré vainqueur par arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise sur Ground and Pound, Antoine Ben-Simon. Première victoire pour Hobby Fight. Eh oui. Ils ont plusieurs combattants ce soir. Deuxième victoire pour Antoine.